Donjon et Dragon, c'est un jeu de rôle. C'est-à-dire que dans le jeu, chaque personne est un aventurier, c'est-à-dire un personnage. Il a une autre vie en quelque sorte. Ça se passe au Moyen-Âge et il se balade avec une équipe d'aventuriers qui sont des joueurs comme lui, dans un pays tout à fait fantastique où la magie existe, où les monstres sont réels, où il faut trouver des trésors et combattre des ennemis pour devenir de plus en plus puissant. Il saxon de la viande! Il y en a trois. Il y en a trois. En fait, pour un maître de jeu, je veux dire quelqu'un qui dirige le jeu, c'est un peu comme un metteur en scène qui fera un film, qui crée un scénario. Il connaîtrait le rôle de chacun de ses acteurs et ses acteurs, mais sans savoir exactement comment les acteurs vont réagir. Donc ils sont comme ça alors. Hein. Vous vous pointez, je considère qu'il y en a. Bon, on va voir. Je suis invisible. Il y en a deux qui chargent par là et une qui charge par là. Ça, c'est d'office. Ben voilà, moi je suis Macaire le Copte, je suis clerc patriarche, c'est-à-dire 8e niveau. Alors mon rôle dans le jeu, c'est un rôle double, c'est-à-dire que je suis prêtre exorciste un peu, je fais fuir les morts vivants, par exemple. Et médecin protecteur, c'est moi qui guéris, c'est moi qui protège le groupe. Elle était mauvaise alors. 18 pour le toucher, moi je suis désolé, je suis pas combattre contre des bestioles pareilles. Bah, tu sais pas que je vais t'aider. Bon, je rate. Voilà, je suis Trox, guerrier half-elf, 5e niveau. Je suis né dans le royaume de Kalat. Mon père était en elfe noir, ma mère était humaine. Je mesure 1m24, je pèse 68 kilos. J'ai 140 ans. Marc Baud, 12 titré, c'est tout ? Ouais, c'est ta vitesse. Et tu peux te balader 12 heures par jour à cette vitesse-là sans être fatigué, rien du tout. Mais après les 12 heures, tu dois laisser les bottes se recharger pendant 12 heures. Je m'appelle Black Kill, je viens de Kadat. J'ai 26 ans. Je me bats à l'épée longue, à l'espadon, et c'est tout. Moi, je suis un humain d'1m80, d'apparence tout à fait inquiétante. Et j'ai une armure à plaques qui me protège ici, tout le torse. Et à part ça, je suis habillé en orange. J'ai une grande cape orange parce que c'est la couleur de mon dieu, Cthulhu. En plus, une de mes caractéristiques physiques, qui est en plus ma fierté, c'est que j'ai des oreilles d'à peu près 15 cm, très fines, très effilées. Ce qui fait la beauté de la race des elfes. Je suis vêtu d'une armure à plaques comme mes copains. J'ai une ceinture magique. Et des gants magiques qui me donnent une force de 23, c'est que je peux porter à peu près 300 kilos sans avoir aucune difficulté. J'ai un home, un bête home. J'ai une apparence inquiétante, mais j'ai une bonne réputation. Une réputation sans histoire. Mais alors, faudra un jour que tu m'expliques comment tu vas faire pour concentrer un rayon au travers des arcs pour essayer d'aller brûler un dinosaure. Quand tu arriveras à m'expliquer ça, j'admettrai que ça marchera. Mais pour l'instant, ça marche pas. Je frappe violemment. Non, là, il charge pas. Hein. Moi, je fonce dessus, je te jure, je suis invisible. Moi, je fonce. Qu'elle voit quelque chose, qu'elle voit pas quelque chose, elle s'en fout pratiquement, tu vois. Elle se rend compte quelque chose de pas normal dans sa, okay. Dans son milieu. C'est des bestioles qui sont. C'est des herbivores, mais c'est agressif. Okay. Tout ce qui leur semble assez bizarre, ils rentrent dedans. Ok, d'accord. Mais c'est vraiment la charge, c'est moi qui me la prends. Intelligence 1/25, quoi. Ok, la charge. Moi, je vais bien me la prendre, mais je suis invisible. C'est pas évident qu'ils vont m'avoir aussi. Parce qu'il y va un peu au toucher. Il touche en moins 4, quand même. Voilà. Je tape. Je suis invisible, je tape à combien ? Moins 2. Tu veux le doubler en premier ? À la moralité, je suis neutre mauvaise, ce qui implique. En fait, je suis. Ce qui peut se passer autour de moi, je m'en fous un peu, quoi. À partir du moment où ça ne touche pas les choses qui m'intéressent réellement, je veux dire, par exemple, le blé, tuer, l'alcool, les nanas. Ouais, il faudrait peut-être que tu me câbles, celui qui est sur scène. Ouais. Tu vas voir, t'as une torche avec deux câbles. Non, non, c'est tout. Ouais, mais ça, c'est parce que toi, t'as un truc en bas-dessus. Moi, je comprends pas, c'est pas logique. La morale, c'est de considérer que tous ces peuples sont des barbares. Qu'il faut donc les civiliser, et notamment leur apporter la vraie religion, la religion catholique. Comme je suis prêtre, j'observe le culte d'un dieu,
Et c'est un dieu chaotique mauvais. Donc je suis moi aussi chaotique mauvais, c'est ma moralité. Alors chaotique mauvais, ça veut dire que je suis tout à fait individualiste et égoïste. Et que je suis pour l'élimination des faibles. En deux mots, je suis la dernière des crapules. Ça veut dire que les Européens arrivent et disent aux indigènes, allez ailleurs. Nous, on occupe le terrain. D'accord ? Et ils occupent seuls le terrain. Je suis chaotique neutre et je pense d'abord à mon confort personnel, à ma chère petite vie, et je protège les magiciens parce que je les crains. Et c'est d'abord moi qui passe avant les autres. Je pourrais parler de Saxon, enfin Black Kid. On est fort copains dans le jeu, parce que déjà, nous sommes tous les deux guerriers, quoi. Donc on va souvent ensemble, de front. On s'entend très bien, en plus, parce que nous sommes dans entraînement ensemble, on baise les mêmes femmes et tout, quoi, c'est super. Alors, Macaire, donc Peter, il est chaotique, mauvais, d'accord, mais il est quand même un genre de loi vis-à-vis de nous, les guerriers, etc. Alors, on a déjà eu des conflits, je lui ai déjà coupé une jambe, des trucs dans ce style-là, quoi, parce que nous étions en conflit. J'ai récupéré la petite clé en or du vampire. Une corde de Rénise, la lanterne du fantôme, encore un autre truc, je sais plus quoi. La corde de Rénise. J'ai pas de petits souvenirs comme ça. D'accord. je crois que... Souvenirs de fantôme. Imaginons qu'en fait, ce soit un sort, son truc, tu vois. Son sort peut passer, hein. Ah ben, on déplie un parchemin de protection de la magie en plus. Et t'es sûr que c'est un sort de magie? En route, alors la compile. Ouais, mais non, mais moi, si on les connaît, j'ai pas envie de me retrouver. Toi, ce qu'il te faut, c'est de la baston grosse, et puis. On défonce, je suis le plus fort, t'as vu mon épée, et tu les as, c'est pas gay, quoi, il faut un peu réfléchir aussi. On a dit ça va ? Ça fait deux mois qu'on fait ce donjon-là, ça fait deux mois qu'il y a de la magie, avec des trucs pour toi. Alors écoute, arrête un peu, là. Les sales coups arrivent à Bobby, y'a que ça. Mais y'a que ça ! Suite de. Oh, de malchance, de. Oh, de déconfiture. De tuiles atroces. Des confitures. Je vais vous raconter la fois où Poppy a explosé. Bah, il s'est chopé une dysenterie, tu vois. Alors bon, il était nain à cette époque-là, tu vois, c'était son premier personnage. Alors il chope une méchante dysenterie, mais tu vois, le truc vraiment grave, quoi, tu vois. Et alors, il se trimballait dans les marécages, comme bon, bah, tu sais, la dysenterie, il faut aller chier, il n'y a rien à faire. Or, comme une armure à plaque, tu vois, il faut 45 minutes pour la démonter, quoi, tu vois. Il était obligé de chier dans son armure, quoi, tu vois. C'était super, quoi. Ouais. Mais attends, Poppy. Ouais, mais il a fait ce que j'ai dit. Ce qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que tu venais, toi. Il vient de te dire un machin, ouais. Su che son bianchi e belli, i mazzi grossi e cannonzi sottili, legati con confini. Si, Signor, si, a 100 kg, 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 Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, sept, trois, deux, 34 mètres vers l'est. Tu fais la fin de ton colimaçon, c'est-à-dire que tu fais un escalier qui va vers le nord, comme ça, et puis il tourne. Alors, tu fais 4 mètres vers l'ouest. Porte. Oh là 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 là. Passage secret. Non. C'est une salle complètement isolée, au plafond, direction passage secret. Partez. Vous avancez, bon, il y a des mecs apparemment... principalement des assassins, quoi.
vous disent qu'ils ont envie d'aller vers le bas parce qu'ils ont... ils savent que les prisons sont dans le bas. Enfin, tu peux toujours passage secret dans une prison, mais de fou. Passage secret, sans unique. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que des humains qui sont prisonnés là-dedans, il y a des créatures aussi. Les monstres que j'aime rencontrer... un peu tous. Ouais. Tu sais, c'est gay quand t'en rencontres de ceux que tu connais pas. Ça te fait un peu peur. Mais sinon, tous. Le monstre qui m'a le plus marqué, je ne sais pas. C'est le monstre qui m'a tué. En fait, j'ai dû aller à la recherche d'un autre monstre et pour donner à manger à la bête sur laquelle j'étais. Et je suis tombé sur un ours hibou. C'est-à-dire, c'est comme un ours, c'est très grand, mais seulement c'est un bec d'hibou. Et j'ai pas eu de chance, je me suis fait complètement rétamer la gueule. Ce qui me fait peur, ouais, c'est de la magie. Les machins, par exemple, quand tu rencontres un fantôme, quoi, rien qu'à te toucher, il peut te faire vieillir de 10 ans et de plus, quoi. Alors, comme pour un humain, ça va vite, quoi. Parce que t'as des personnages qui peuvent vivre jusqu'à 400 ans, quoi. Les humains, pas. Alors, ouais. Oui, de la mort, bon, parce que la mort, elle est toujours, quoi... Elle est au bout du couloir, quoi, on sait jamais ce qu'il y a, et on risque toujours de ramasser sur sa gueule vachement méchamment. Pourquoi est-ce qu'il faut un dieu? Pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui vont dans les églises? Hein? Eh ben, nous, dans le jeu, on se voue à un dieu qu'on choisit, pas un dieu qu'on nous impose. Moi, j'ai une déesse, je l'aime, tu vois? Elle est folle, je l'aime, tu vois? Et voilà. Je crois que, en fait, ce jeu, bon, ça me prend beaucoup de temps, c'est certain, mais il m'apporte le rêve. Un truc que je crois que les gens, de plus en plus, n'y pensent plus non plus de rêve, quoi. Tout le monde rêve de devenir le plus puissant, quoi, dans le jeu, quoi. Et moi d'abord, je rêve de faire mon monastère, parce que je suis clair, et le monastère, bon, c'est un peu... C'est pas l'aboutissement, mais enfin, c'est la première étape qui montre que t'es déjà quelqu'un, quoi. Et puis après, par la suite, ben, c'est comme tout le monde, je rêve de devenir un demi-dieu, quoi. Immortel et tout ça. Donjon Dragon, c'est même plus un jeu, tu vois. C'est vachement compliqué à expliquer, je dis, mais enfin, c'est la vie, tu vois. C'est la vie, tu vois. Comment je veux dire, tu vois, mon personnage peut tomber malade, comme ça, tu vois. Mon personnage peut mourir. C'est comme s'il y avait une deuxième personne, quoi. Comme si j'étais une deuxième personne pendant le temps du jeu, quoi. C'est comme, je suis plus moi, quoi. Je m'assois à la table, ben, je suis plus Peter, je suis Macaire le Copte, et je suis Claire, et je voyage dans des donjons, et je contrôle des morts vivants, et je tape sur tous les bons, quoi. Et voilà, c'est ça, c'est l'évasion complète, totale, c'est... Pff.